Cool. Et bien voilà, on est prêt à attaquer à notre deuxième semaine. Pas du tout, si. Troisième semaine, pardon. Et on va aller se trouver un petit peu de fer à miner en attendant. On va leur tirer une petite maison, mais je crois que j'ai tout fait à côté d'ici. Je crois que là, vraiment, tout est fait. Là, il y a du col. Tous les bâtiments sont faits, donc on va trouver un petit truc à miner. Du caillou, est-ce que je vais avoir besoin de pierre? Oui, on va avoir besoin de masse de pierre aussi. Mais prenons du fer, parce que du fer, ça serait bien quand même. Ça, c'est du schiste bitumeux, on va en avoir besoin aussi. Ah oui, c'est bon. Il y a du schiste bitumeux, on veut tuer, voilà. Encore et toujours. Ok, voici ce qui nous intéresse. 5 heures, bah... Non, reste là, Mamoto. Yamamoto. Ah, j'ai un bonbon pour prendre plus. Bon, c'est pas grave. Toi aussi, tu vas. Bisous, les gars. Bonne nuit. Et c'est vrai que j'ai ça, j'ai les deux missions à faire aussi. On va peut-être se faire ça déjà aujourd'hui. Moi j'ai un point d'exclamation là. Conseil pour extraction minière. Ok. Je pense qu'on va encore faire cette journée. Peut-être une autre, mais je suis pas sûr. C'est 22h48, on en a pour une heure. Ouais, non, comme ça on va terminer la nuit, ça va être bien. Voilà, je récupère masse de sable, il va m'en falloir aussi. Ah ouais, je vais prendre du sable aussi. Dommage que j'ai pas pris un truc pour l'endurance. C'est pas très malin. C'est tout ? J'aurais peut-être pu faire la mission, tiens, au lieu de creuser. Mais bon, ça va nous faire de l'XP, ça nous fait des ressources. On a ça, combien? On va peut-être aller faire la mission, tiens. Mètres. Peut-être que c'est une grosse veine en fait. Donc, tant qu'on est là, tant l'exploiter. Franchement, on peut prendre bien le niveau et faire encore de la ligne de sang là où on peut préparer un meilleur bâtiment en attendant et revenir faire les prochaines lignes de sang ici. Je pense qu'on peut en faire encore 2-3 faciles, au moins 2. Et comme ça, on se prépare une meilleure base, un meilleur bâtiment où on migrera par la suite. Ce qui pourrait aussi être pas mal. Et ça, on n'a pas chaud, c'est cool. ...51 d'essence. 6h29.
est-ce bien nécessaire? En plus, il faut passer la colline. Ça va être dans une maison, ça. Ça va être dans l'autre village. Au moins. Oh, ça me saoule. Non, on va pas y aller maintenant. Ah, c'est trop loin. Oh, au secours. On ira après le marchand. Alors ça, c'est que de la pierre. Ok. Bon, le marchand va ouvrir. Bonne petite session de minage. Mais d'où vous venez? Et d'où vous arrivez, vous? Pourquoi? Pourquoi j'ai envie de vous dire? Oh là, il y en a pas. Ok. D'accord. Ok, de toute façon ils sont pas menaçants du tout. Trois flèches, trois à côté. C'est ce qu'on appelle du 0% de précision. Le marchand ouvert, allez on se casse. Cassos, et ma moto elle est où? Il y a ma moto. Salut gamer. Salut les gars. C'est le croisement de ceux qui vont se coucher et ceux qui arrivent. Ça va, très bien. Et bien évidemment, j'ai pas pris mes sous. Quel boulet, quoi. Je vais chercher mes sous pour... D'ailleurs, je devrais aller à l'autre marchand, en fait. On va aller à l'autre marchand. Je vais prendre tous mes sous, et on va aller à l'autre marchand. Tout ça pour ça, quoi. Eh, c'est une moto faite maison, elle est costaud, je vous le dis. Alors, on va pas faire fondre tout le fer, par contre. Mais on va quand même en mettre la moitié. Alors du coup, on va quand même aller lui acheter son bonbon. Parce que si j'en ai pas là-bas, vu tout ce que j'ai à vendre, il faut mieux quand même... Alors est-ce que je vais pas me faire la mission? Voilà, on va faire ça. Je vais acheter le bonbon. Ah mais là-bas, c'est une maison où il faut récupérer des choses, donc je vais devoir looter. Donc là, j'ai l'inventaire qui est plein. Donc c'est pas bon. Donc on va tout lui vendre à lui, en fait. Ça va être le plus simple. Et ensuite, on ira à l'autre marchand lui acheter des choses. Donc là, c'est ça qu'on veut. Voilà, 3 plus 10% pendant 10 minutes. Salut Josiane. I'll sell you goods, but if you cross me, you'll meet the wrong end of my 44. Donc 86$ pour 132 pièces. 272 le tremblant. 110 les livres.
176, 110, le casque 22. Ça, il nous reprend pour 462, pour 495, ici 88. Ça, j'aurais pu les garder. 55, 43. Alors, ça, ici, ça, il n'en veut pas, j'imagine. Et on a 10 000. All right, now that we're done doing là, business, il a un nouvel inventaire. Get out of my store. Normalement, il devrait avoir un nouvel inventaire. Ok, le McDom, il a pareil. Hein. Il a pas changé sa merde. Sa merde. Ah, c'est vrai que je peux fabriquer mes bottes. Il faudra fabriquer des petits trucs aussi ce soir. Alors, le nouveau marchand, il est ici. Récupération 1. Ah oui, on va faire ça d'abord. Ah ben voilà, c'est là-bas. Donc là, l'inventaire est vide. Ouais, donc on peut y aller. Let's go. Alors, la route la plus simple, ça va être ici. Ok, c'est vraiment tout droit. Allez, c'est parti pour notre mission. Et je pense qu'on va passer la nuit dans l'autre village. Donc c'est juste après ce bâtiment qu'on doit tourner à gauche. Par là. Ça devrait pas être trop ennuyeux. Mais c'est pas chiant du tout d'y aller par là. Et la maison, c'est celle-ci. Enfin, celle de derrière plutôt. Ok, cette petite maison, ça marche. Alors nettoyer tout ça et trouver les provisions. Let's go. Je me suis pas fait mes bottes silencieuses, dommage. Trouver les marchandises. Les marchandises sont à 7 étages. Ils sont pas plus hauts, ils doivent être par là. On est à 6 mètres. On est à 2 mètres. Ça va dans l'autre pièce. À 7 mètres. Et voilà, ils sont là. Ok, on va quand même loot la maison vite fait. Yes. J'ai faim. Oh, même une patate.
Ok. Alors ça c'est pas mal, je crois que j'en ai déjà un. Ouais. Je peux pas le mettre là-dedans. Alors les dégâts de chute, on s'en fout un peu, voyons. Par contre, je peux peut-être le mettre ici. Ouais. Yes! Encore plus de munitions. Voyons, avec le fusil à pompe. J'ai 9 balles. Je sais pas si c'était pareil. Ok, non, ne tombe pas. On sort de là. Mais ah oui. Ok, rentre de l'autre côté. Donc alors attendez, maintenant. Là c'est fait. Et maintenant on va aller ici. C'est parti. Alors là on va prendre la route. Et ensuite, voilà, on suit la route, c'est parti. C'est un peu plus simple. J'ai de l'essence, 98... Ah non, 32% d'essence. J'ai de l'essence sur moi, 239. On va s'arrêter faire quelques voitures. Ouais, je pense que la prochaine nuit, on va la passer dans l'autre village. Ouais. Est-ce que je repars chez moi pour chercher... J'ai perdu de la vie ? Que je repars chez moi pour aller chercher du stuff, de la bouffe et tout ça. Question de passer par le marchand quand même, on va passer par le marchand. C'est pas beau. Alors là, faut qu'on avance jusqu'à la maison, et à la maison à gauche. On va se faire cette petite voiture sur la route. Oui. Ok. Je me faisais ça vite fait aussi. Oula, mais c'est quoi ça? C'est du plomb tout ça? Masse de plomb et de fer ici. Faudra que je me rappelle de ça. Ok, alors attendez, on va faire un truc. Un lapin, un sanglier et un cerf. C'est pas compris, le coyote. Faut qu'on est là. Un peu d'essence. Modification de fendeur. Voilà. Je me note toutes les modifs que je peux faire parce que je suis sur deux parties. Je joue aussi avec un pote sur une autre game. Du coup, je vais tout oublier.
Pourquoi je voulais repasser chez le marchand, moi? J'ai des trucs à lui vendre, là. Ouais, j'ai 2-3 trucs à lui vendre. Marchand, maison et en avant vers la prochaine ville et vers la prochaine aventure. Bon, je vais prendre des petits bonbons s'il y en a, non, il n'y en a pas. J'ai un peu faim. Je vais prendre de la bouffe un peu. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Merde, je les ai enfilés. Wipe that smirk off your face. Doing one job doesn't make us. Ah ouais, d'accord. Pals. Got it. Alors, les chances de démembrement des cibles dans un rayon de 3 mètres sont augmentées. Lanterne impossible de travailler si on n'y voit rien. Vous apprenez à fabriquer des lanternes, des chapeaux de mineurs et des modifications de lumière frontale. Ah, j'ai dit que je le voulais, ça. On va prendre ça. Yes, nice. Et on passe un niveau. Ça c'est du plomb, on va le garder. Careful out there. Donc frontal. Ok. Allez, on va poser tout ça. Bon, c'était cool. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il fallait que je repasse chez le marchand. C'était pour la mission. Bien. Évidemment, évidemment. La mauvaise idée, la mauvaise idée. C'est bon. Oh. Oh, aïe, aïe. Est-ce que j'ai encore des bonbons looters? Des bonbons looters, est-ce que je les ai toujours? Non, non, j'en ai plus, on est d'accord. Alors, je les avais peut-être mis là. Yes, allez c'est bon, on se barre à l'autre marchand. Et la route. Oh. Oh Stéphanie. Salut, comment vas-tu? Salut Cotran. Salut les gars. Petite table, je suis deg de pas avoir pu suivre. Ah mais il y aura les rediffs. Et on a fait la lune de sang, ça s'est pas trop mal passé. J'ai un peu rebricolé toute la journée. En mode pépère, ensuite avant la ligne de sang on est parti découvrir un nouveau village auquel on retourne là. Et ça s'est très facilement passé, d'ailleurs voilà, je vais montrer mon installation tout de suite. Et je pense que je bougerai, donc là j'ai tout bien nettoyé, j'ai fait comme une fosse. Donc ils peuvent rentrer de partout, j'ai mis des pics sur toutes les entrées, donc ils rentrent de tous les côtés. Et une fois qu'ils sont en bas, ils sont coincés, ils peuvent plus sortir. Et ils se baladent là-dedans et ensuite ils finissent par monter, mais là à chaque fois ils tombaient. Là il monte, il monte, il monte, et là il... ça commence à être trop là, à chaque fois il tombe, donc je pense que je vais élargir. Parce qu'ensuite là j'ai relevé. Là pareil, il marchait là-dessus là pour passer, donc à chaque fois il mourait ici jusqu'à que ça les casse. Et finalement ils arrivaient là, où j'ai refait l'entrée. Donc voilà, c'est refait, c'est mieux, mais c'est pas encore parfait. Là il y avait plein de pics, ils ont essayé de s'en aller. Et ouais, on va se balader là. On va se balader jusqu'ici. Et on va passer la nuit, la prochaine... Chut, 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 chut.
The Hunter. Merde. Il me le faut, il me le faut. Absolument. Même si je dois y passer toutes mes flèches. Yes. Yes. Cool. Et là c'était le plus rare pour moi celui-là. Je pensais que c'est là où j'allais le plus galérer. Et merci beaucoup pour les 100 bits, c'est faux au passage. Des bisous. Il manque plus qu'un sanglier à lapin. Ok, un sanglier à lapin, très bien. On continue l'aventure. Ici aussi, il y a du fer juste devant l'église. Alors, on n'a pas fait ce gros bâtiment là, avec le château d'eau. Et notre petite pétrolette. La petite côte, on connaît bien maintenant. Juste une petite côte. Ah oui, je suis mort à cause d'un ours aussi. Un ours est passé à travers la porte de l'église et m'a tué. Je suis très content. Alors, à quoi on va voir le droit comme mission ? Ok, c'est ici. Pas de chien. Bonjour tout le monde. Il faut récupérer des provisions qui sont à cet étage apparemment. Bah vivement qu'on fabrique notre modification de lampe de casque. Et là j'étais pas accroupi putain. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette maison. Et nos bottes silencieuses aussi. Nos bottes militaires ultra silencieuses. Yeah.
fait flipper. Ok, pourquoi il fait sombre, pas sombre? Ok, là, il y a le garage. Je sais pas si je continue un peu à ramasser le tissu, j'en ai plein là, ça sert à rien que je m'encombre. Dans cette maison, c'est étonnant quand même. C'est pas, y a pas plus de... Ah si, le garage on l'a pas fait. Ah là il y a un trou. Que je pourrais ramasser tout ça aussi là. Je devrais continuer de ramasser ça. Puis bah, sinon j'aurais fait l'insert souvent des montagnes enneigées, inflige 10% de dégâts supplémentaires aux pumas. Cool, parce qu'à mon avis, les pumas ils sont. Enfin, je crois que les pumas sont hyper puissants, hyper costauds, hyper téméraires. L'hôtel des sacrifices. Mais j'appuie clic droit. Il m'a tellement fait peur. On a de l'aloe vera bien. Alors maille aérée, ça sert à quoi déjà? Ça, on va le garder. Maille aérée, maille aérée. Maille aérée, maille aérée. Pourquoi je la vois pas? Ok, c'est pas ça que je voulais faire du tout. La maille aérée, je l'ai mise quelque part ou quoi? Attendez, j'ai rêvé ou j'ai rêvé? C'est un truc que j'ai appris. Non, elle est là. Résistance aux explosions, résistance à la chaleur. Ok, faut se faire une armure pour la chaleur en fait. Je vais le vendre ce truc là, je pense. Ok. Ok. Et le garage, on l'a pas fait? Le garage, il était par là, je crois. Je pense que ça doit être ça, ouais. Ok. On aurait pu rentrer par dehors, mais ça va aller aussi vite de passer par là. Bienvenue. C'est pas froid. Des fois, on n'y voit rien et des fois, on y revoit. C'est très bizarre. Et rien du tout.
aller voir le marchand. Alors le marchand, c'est lui. Mon petit, pas que je le perde de vue. Merde, où il est là? Reviens. Je le veux. Il est pas mort, il a pris des bastos de pompe, il est pas mort. Ah, je suis deg. Crah, le lapin. Après, il nous aurait manqué plus que le sanglier. Bouh. Je le revois. Ce beau big trap. La trappe à boobs. Leur passe. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment là? Supermarket? Une laverie. Ici. Ok, c'est le point où on était tout à l'heure, on reconnaît, et on arrive au marchand. Et si l'atelier de chimie fonctionne? Voilà, hombre. Alors des munitions, une motivation de structure, on va prendre des munitions même si j'ai pas de magnum encore. Alors, 232 mètres, élimination de zombies. C'est parfait. You can help well already then. Let's get the ball rolling. On va le vendre. On s'en fout, ça on les vend. Ça aussi, on va faire de la place. Combien? 40, c'est pas mal. L'âge de pompier. Ok, allons faire ces petits zombies. Donc ça, on a dit le lapin et le sanglier. Dommage, j'aurais dû essayer de l'avoir à l'arc, le lapin.
là on voit que dalle. Mais je vais avoir une lampe sur mon front quand on va rentrer à la maison. On va se faire ça direct. C'est le premier truc qu'on va faire. Un petit ragoût. Alors, récupération de flèches déployées, c'est la super permettant de récupérer 20% de flèches et de carreaux supplémentaires pour votre victime. C'est trop bien. On l'a déjà. Pas mal cette petite salle de billard. Les escaliers qui montent ici, la salle de bar. Ok, alors. 4 slots. Il faut monter parce qu'il y a encore du zombie. Bonjour. Quelqu'un? Bien sûr qu'il y a du monde. Parlez au marchand. Bonjour, bonjour. Bon, 3 balles de pompe, c'était réglé. Yes. Alors, lâchez le bon. Les attaques puissance printées ont une chance élevée de renverser votre adversaire. Okay. Poussez l'adrénaline. Utilisez le poussez dans la ligne du combat pour diminuer votre corps. Les armures ne vous ralentissent pas au combat. Incroyable. Pièce de mitraillette, ça, non? Pièce de mitrailleuse. Ok, on recycle, on recycle. Ça, ça va être vendu au marchand. Si on a le temps d'y aller. Nickel. J'ai passé un niveau, non? Il me semble que j'ai passé un niveau encore. Je vais peut-être pouvoir avoir le meilleur looter. J'aurais dû le mettre avant. Bravo. Où sont les bouteilles vides? Bon, on va tout garder. Ah non, c'est bon, on a le temps. Salut, scalpe-toi. Salut, docteur Ré. Salut, les gars. Bientôt la nuit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer.
Je vais aller crafter à la maison, tiens, on va rentrer. Alors, manuel des armes automatiques. Pendant les espaces restreints, la meilleure chose à faire, c'est de tirer à l'aveuglette. Le mode automatique afflige 1% de dégâts supplémentaires à chaque tir. Jusqu'à que vous ratiez. Waouh, c'est fort ça. Bombe tuyau. Non, je vais prendre ça. Quand j'aurai des armes automatiques, je vais faire de plus en plus mal. Ok, alors faut vite que je lâche quelque chose de... qui me sert pas. Hé ! Il est où ? Il est où mon bouquin ? Il est où le bouquin ? Non. J'espère que ça n'a pas bugué. Non ? Non ? Non ? Non ! Là jusqu'à minuit, là on va faire cette nuit, là on va rentrer faire 2-3 crafts et je vais m'arrêter là. Non mais là je suis dégoûté. Non mais là c'est le pire qui a pu m'arriver là. On est d'accord que c'est dégueulasse, non ? Il est où ? Elle est où ma récompense, bordel ? Pourquoi je l'ai prise alors que mon inventaire il était plein ? Mais elle est même pas au sol. Qu'est-ce que t'as toi ? T'es vivant ? Bon mais voilà, on se fait baiser la récompense. Thank you, survivor. My family and I are in your debt. Here is your reward. Ça c'est du blindage de merde. 2000 dukes jetons, ça c'est pas mal par contre. On va prendre ça, on va les revendre. Ah, une mission spéciale. Échelon 1, ouverture des routes commerciales à 1,3 km. Excellent, ça y est, on a fait toutes les missions. Hein. On a passé notre premier rang de mission, c'est cool. Cool. Mitrailleuse, on va garder. Alors, tout ça, on va les vendre. Alors, ça aussi. Il y avait des trucs intéressants. On a 15 000. On peut pas acheter la moto encore. Il y avait... Alors, ça, modification, on peut le crafter. Le châssis de 4x4, on s'en fout. Le casse du siècle. Alors, des gemmes et des bijoux précieux. Vous récupérez des potions de bijoux ou de gemmes précieux supplémentaires en acquérant des butins. Ça m'intéresse pas forcément, ça. Même si je vends beaucoup aux marchands. Les autres livres, on les a déjà lus. Marteau, mais pas de tourelles. J'aimerais bien trouver des tourelles. Un pistolet niveau 4. Ça pourrait être bien, ça. Mais bon, bah, on va en trouver. On va pas dépenser tous nos sous là-dedans. On m'a mis dehors. Je me suis fait mettre à la rue. Où suis-je ? Où est ma moto ? Ah merde, ma moto est juste devant. Je vais pas pouvoir la reprendre. Que je vais me faire baiser. Pardon. Pas du grossier. Ok. Alors, elle est où la nouvelle route ? Ok, il va falloir que je suive la route pour aller jusqu'à cette route commerciale. Et là, nous, on va rentrer et on va rentrer à la maison. On va faire demi-tour, pardon, et on va rentrer à la maison. Yes, let's go. Quoi, le bouquin ? Mais qu'est-ce qu'il a le bouquin ? Il y était ? Le bouquin, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu le bouquin. Bon, et bien on aura quand même bien avancé ce soir. On a fait notre petite horde, on a une base qui tient la route. Il faut juste encore un peu l'améliorer. Il y avait encore notre corps de zombie qu'on a tué tout à l'heure, lui. On va voir si on peut pas crafter 2-3 petites choses.
Je pensais qu'on allait s'atteler ce soir à reconstruire une nouvelle base ou déménager, mais en fait on n'a pas trop eu le temps. C'est vrai que je pourrais faire ça cette nuit, mais je vais plutôt privilégier le craft de nouveaux objets ou améliorations. Homme, sweet homme. Alors la bouffe, on la garde précieusement. Je peux les faire, non? Ouais, voilà, bandage médical. Il faut du tissu. Ok. On va les garder avec nous. Du coup, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà, du coup on la trouve pas, on va la faire. Hein. Donc c'est parti. T'as vécu la tienne, cool. Bonne nuit, bonne nuit mec. On a deux polymères recyclés. On a deux scotch. Ah, j'ai remis une lampe ou je l'ai décraftée? Ah, la lampe, je l'ai plus. Ah si, j'ai la lampe. Oh, trop bien. Oh, c'est cool. Oh, c'est nice, ça. Alors, ok, on a la lampe. Le truc et le machin. Le truc. Et voilà. Et donc, ça, on peut le fabriquer. Et enfin, on va avoir de la lumière. Ah, sauvé. Ça, c'est une première chose. Ensuite. Modification de fendeur, on l'a déjà. Ensuite. Ah, mince. Il me faut de la maille militaire, mais je peux pas la faire. Fibre militaire, je peux pas la faire. Ah, voilà. J'ai pas de fibre militaire. Merde. Merde. Donc ça, ça reste à faire. Il me faudra... Alors, il faut de la fibre. Fibre militaire. Donc ça, je peux pas le faire. Ah. Ensuite, il faut qu'on fasse ça. Modification de tête lestée. Ah, je peux mettre tête lestée et la chaîne en même temps, ça peut être sympa. Ou alors je peux même pas mettre la chaîne. Alors déjà, la tête lestée, voyons. Il me faut 5 fer forgé. Il me faut 5 cols. Os. Thank you.
Donc 5 fer forgé, 5 cols. Ça, on va le remplacer par ça. Du coup, ça, je peux le vendre au marchand. Ok, donc 5 fer forgé, 5 cols, 5 pièces mécaniques, 10 ressorts. Ça, c'est fait. Alors, la lampe frontale. On va virer ça. Ok. Et voilà, on a la lumière. Trop cool. Trop cool. Et ça arrive dans combien de temps? Dans 30 secondes. Et ensuite, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Allez, modification de pompe, mais j'ai pas. Est-ce que j'ai débloqué les meilleures pompes? Alors, fabriquer des fusils de pompe ordinaire de qualité 3. Et moi, j'ai le plan du fusil. Moi, je peux me faire ce fusil à percussion. Il me faut des pièces de fusil à pompe. J'en ai pas gardé de ça. Bon, il va falloir commencer à en garder. Parce que là, si je passe un niveau, je pourrais me le faire en qualité 3. Là, est-ce que j'ai un niveau? Normalement, oui. Donc là, je peux déjà faire ça. Pour avoir du meilleur loot. Boum. Cool. Non mais les gens sont là depuis 3 heures hein, à me voir jouer. Mais là on est une quinzaine de personnes, on est tranquille, c'est normal que ça discute peu. T'es pas sur le live du Squeezie. Et voilà notre petite batte. Voilà, voilà, voilà. Mais on voit qu'elle est rose. Ah ouais, on voit un petit peu qu'elle est rose quand même. Mais c'est pas le plus joli rose. Vert c'était pas mal. Vert c'est rigolo. Voilà, batte verte. Là ça déchire. Et fusil vert. Arc rouge. D'ailleurs l'arc je vais pas le mettre en rouge, je vais garder le rouge pour mon perso. Non mon perso j'en ai mis assez du rouge. Ouais il est bien comme ça. Ok. Et bien voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Quelle heure il est? 23h44. Non, j'ai rien d'autre à crafter pour le moment. Est-ce que je me fais l'atelier de chimie? Ou alors attendez jusque... Non, je vais pas commencer une autre journée là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, je vais peut-être juste faire ça. Mon bloc de claim, il était... Je crois que je l'avais balancé. Non, bah on va s'arrêter là. J'ai encore envie de jouer, mais après, si on fait une heure de plus, il va être trop tard. Du coup, ici, à notre village. Prochaine session de jeu, on va faire le tour de ce village. Hein. Et peut-être bien que j'irai me faire une base de ce côté-là. Parce que bon, la horde ici, c'est sympa, mais bon, si, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Faut juste leur faire un meilleur espace pour qu'ils marchent. On va voir, on ira continuer à le faire la horde encore 2 semaines ici. Et on va aller éclater ce village, on va aller looter le plus possible. Et ensuite, il avait une moto à vendre hein, à 20 000 et je suis à 15 000. Donc on va peut-être pouvoir acheter la moto au marchand bientôt et rouler en moto, ce serait génial. Avec la grosse moto. Les amis, on se laisse ici. Pas de problème, mais en tout cas, on va s'arrêter là pour ce soir. Et en tout cas, il y aura les rediffs aussi sur la chaîne secondaire. Donc voilà, une journée de plus de passé, on est jour 16. On est quel niveau? D'ailleurs, je suis mort 2 fois, ça fait des boules. Quel niveau je suis? C'est marqué ici, il me semble. Niveau 25. Jour 16, niveau 25. C'est pas si pire. Allez, je me mets à l'abri et on se laisse ici. Les amis, des gros bisous à tous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Reposez-vous bien, soyez forts, en forme, de bonne humeur pour cette fin de semaine.